meilleur souvenir étant le jour où Gilles Tesserin, notre ami et notaire à Marseillan, dont la sœur nous fait le plaisir d'être ici, qui est venu signer ici la succession de mon père, qui durait depuis des années. Et ce jour-là, j'ai eu la grande chance de pouvoir signer pour être propriétaire de Camping Gousse, en deux tiers pour moi, un tiers pour Marie-Angèle. Marie-Angèle a eu l'élégance de me donner son tiers. Voilà. Et donc, ce jour-là, depuis que j'ai signé, et ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Voilà. Et maintenant, c'était, je ne sais pas, tu le diras, tu le demanderas, mais je ne sais pas exactement. Mais, et bien voilà, on avait bien... Quel âge on avait, je ne sais pas. Hein. Un très bon souvenir, voilà. Et depuis, je ne regrette. J'étais mariée, oui. J'avais Maguelone et Frédéric, qui, elles, étaient au premier étage, aux premières loges, et écoutaient tout ce qui se disait en bas. Donc, voilà. Ils se disaient, aïe, 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 est-ce qu'ils vont signer, est-ce qu'ils ne vont pas signer? Et finalement, nous avons signé. Et nous avons bu le champagne que le notaire, notre ami, avait apporté. Et voilà. Et depuis, je suis excessivement heureuse d'avoir Camping Gousse, que j'aime autant qu'une personne. Dès le début de notre mariage, je suis venue à Camping Gousse en vacances d'été, retrouver donc la famille Novian. Alors, à l'époque, bien, la vie était très simple. On faisait la vaisselle dans le ruisseau. Même ma belle-mère allait se laver tous les jours à la rivière. Elle prenait sa serviette le matin. Elle allait à la rivière faire sa toilette. Et puis, les toilettes aussi étaient très simplistes. Donc tout ça, ça a disparu petit à petit. Quand j'ai décidé... avec ma femme, de remettre un peu de modernisme dans tout ça, parce que ça en manquait beaucoup. C'était une ancienne maison de verre à soie, de magnanerie, et donc les gens habitaient au rez-de-chaussée, et au-dessus, il y avait les salles où étaient alimentés les verres à soie, que soignaient en général les femmes. C'est elles qui soignaient les vers et qui en tiraient bénéfice, hein, de vendre les cocons à l'usine. Il y avait des usines de cocons à soie un peu dans toutes les vallées de Cévennes. Et ces dames faisaient un peu leur marché en vendant les cocons. Tout ça, ça a disparu, mais les maisons étaient construites un peu en fonction de l'élevage des vers à soie. Toute la campagne autour des maisons était entourée de mûriers. Il y en avait autour de la nôtre, là, sur la terrasse. Et ces dames allaient faire la cueillette des feuilles le matin ou le soir et distribuer ça aux vers à soie. Donc, c'était leur boulot de la journée, voilà. Je vais raconter une anecdote. Mon père avait une Mat Ford. La Mat Ford, il avait acheté ça en 36 aussi, ou en 34 peut-être. Enfin bon, bref, c'est tellement vieux que je ne m'en souviens pas. Et il venait très souvent à Camping Gousse parce que c'était sa maison de vacances aussi. Et un jour, il est rentré dans un petit mur avec la voiture, et c'est pas la voiture qui a été accidentée, c'est le mur qui est tombé. Bon, enfin bref, il a été obligé quand même de payer le mur au propriétaire, parce que le propriétaire n'était pas content que son mur soit par terre et tout ça, mais je crois que ça s'est bien arrangé. Je pourrais pas dire le prix que ça lui a coûté, mais enfin je pense qu'ici on ne construit qu'avec des pierres l'une sur l'autre, hein, parce qu'on ne met pas de ciment, on met rien.
Et c'est une petite anecdote, mais il y en aurait tant d'autres que je pourrais passer des heures à vous les raconter. Petite, avec les maillots qui étaient en laine, et qu'on arrivait dans la rivière, où moi j'étais comme maigre comme un chat, comme maintenant, où tu avais le maillot qui tombait hein, dans les cailloux. Alors, et qu'il y avait Anne-Marie qui arrivait avec des petits bikinis et tout, nous les cinq, avec les bouts de laine que ma mère récupérait partout, parce que c'était quand même pendant la guerre. Hein. Après, hein, mon père qui arrivait avec les lapins, qui mettait dans le ricanto, là, tu vois, hein, et qui mélangeait les lapins et les mâles et les femelles, et qui te disait, j'ai séparé tout le monde. Et au mois de septembre, au mois d'octobre, enfin quand les lapins produisent, il y en avait partout. Et il y avait les chiens, nos chiens qui étaient des chiens de chasse, qui traversaient la rivière, qui allaient manger les poules du voisin. Et mon père payait pour les poules du voisin. Non mais, des histoires à Campingos, je peux te raconter. Enfance, adolescence. Et moi la petite, 8 ans, parce que j'étais la plus petite, j'allais chercher le lait avec le pot au lait et je montais au Villaret chez Monsieur Bresson et je faisais la conversation. À 8 ans, je parlais à tout le village. Et après, la petite sœur, c'est elle qui allait chercher l'eau à la source. J'ai dit merci à Jean, parce que grâce à Jean, eh ben on est là. Et merci à tous les haribots, à toi, Frédéric, hein, à ma sœur Geneviève, et à Maguelone, et aux deux petites, de nous accueillir aussi gentiment. Et lundi, j'arrive. Les écrevisses, quand on était jeunes, qu'il y avait beaucoup d'écrevisses dans la rivière, et qu'on partait, on mettait des balances, et que c'était interdit, et qu'un jour, on nous a dit, il y a les flics qui sont là, donc toutes les écrevisses qu'on avait ramassées, on a tout rejeté dans la rivière. Et après, on nous a dit, c'est une blague, on est repartis tous pour aller rechercher les écrevisses. Et notre mère, elle avait des écrevisses partout, on en a mangé toute notre enfance. Et trois quarts du temps, comme sa voiture était quand même très large, il encadrait le pont. Mais il s'en foutait parce qu'il n'entendait pas. Hein. Donc c'était pas un problème pour lui. Et il y a une année où il y avait des champignons, mais tu les voyais en voiture parce qu'il avait une décapotable. Donc tu voyais les champignons, il y en avait partout. Et on ramenait les champignons, mais on ne savait plus qu'en faire. Il y en avait plein la terrasse que ma mère faisait sécher. Bon, maintenant, il n'y en a plus. Hein. Marie-Angèle, tu nous manques. Hein. Et pourquoi tu n'es pas là, hein? On aimerait tellement. Mais elle sera là pour les 90 ans de Campingos. On sera tous là pour les 90 ans de Campingos. Je devais avoir 12 ans. Attends. Je ne vais pas vous dire mon âge de maintenant. Il y a quelque chose comme 60 ans, à peu près 70 ans. Il y a 70 ans. Bon. Et j'ai été invitée par Marie-Angèle, qui était mon amie. Et à ce moment-là, elle me dit, nous allons nous baigner. Nous baigner. Alors moi, j'étais un peu sportive, je la battais à la course, je la battais au saut en hauteur. Et là, nous arrivons au bord de l'eau. Elles me disent, tu montes sur ce rocher et tu plonges. Et moi, je ne savais pas plonger. Et toutes les noviens se sont mises à plonger, la tête la première. Et moi, la honte de ma vie, j'ai plongé les pieds les premiers. Et je ne l'ai jamais oublié. Et moi, je vais te dire, pour le plongeon, mon père me disait, tu vas chez ma sœur, mais surtout, jamais, jamais tu plongeras. Parce qu'un jour, elle aura un de ses enfants qui va se tuer. Je ne veux pas que tu te tues. Ah, le coup du plongeon. Mais moi, on ne m'avait jamais rien dit, mais j'ai eu honte. Tu n'as pas plongé. Ah, mais je ne savais pas. Ah, mais tu m'as sur un rocher. Mais attends, mais il y avait 2 mètres. Ah, mais tu savais. J'ai 2 mètres. Comme toi. Moi, quand je venais petite, je plongeais de tête dans le gouffre. Toi aussi, tu plongeais. Moi, j'ai peur de rien. On allait à la messe avec Odile, toutes les deux, à Saint-André de Magincourt. Et maman, ces deux filles qui étaient géniales, allaient à la messe. Avec Odile, on partait et on allait batifoler, on attendait le temps de la messe. Et on allait chez Monsieur Sertois, tout le long du canal,
où il avait beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Et on se servait tous les deux, copieusement. Et quand on revenait, on disait, maman est allée à la messe. Et en rentrant de l'église, on a rencontré M. Sertois. Et maman disait, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est sympathique. Mais j'aimerais tellement rencontrer ce M. Sertois. Hein? Et honnêtement, on n'a jamais su si notre mère a compris. Honnêtement. Maintenant, on se pose des questions. Est-ce que maman a compris ou pas? Oui. Non, je ne pense pas. Notre mère était tellement naïve, tellement vieille France et tout, hein, et que... le devoir, l'honnêteté, jamais on n'aurait pris quelque chose. Je la vois là, dans la porte. Je la vois en disant, ce monsieur Sertois, mais il est tellement sympathique. Il est tellement gentil. Il est tellement sympathique. 80 ans de Campingous dans la famille, anniversaire. Campingous. Les plus snobs disaient Camping House, qui remplaçait la désinence Sevenol par une désinence british. C'était avant le Brexit. Pour moi, 60 ans de beaux et bons souvenirs qui émergent aujourd'hui. Amour d'abord, car c'est un peu ici que j'ai découvert ma Régine, la grande amie d'Angèle. 54 ans déjà. Amitié, celle d'abord de la famille Novian, les parents. Madame Novian, une aristocrate, éducation parfaite, Sacré-Cœur. Douceur ineffable. Monsieur Novian, heureux que les amis d'Angèle viennent le faire chier. Je l'ai dit là. Les 5 enfants et les amis de toujours avec qui nous venions voir passer le rallye des Cévennes en novembre. Couchés à Campingous, les uns contre les autres pour se tenir chaud. Le cousin Malay, en tout bien, tout honneur, avant de monter à l'Aigual. On allait chercher de l'eau en fredonnant les nids Escudero pour une amourette. Famille, les pique-niques. Rassemblement de nos petits qui grandissaient, baignade dans la rivière, le sacro-saint pique-nique des châtaignes, où toutes les catégories sociales, amis innombrables de Marie-Angèle, étaient représentées. Rire, chansons, danse, bonne humeur, pose dans un quotidien parfois stressant. Merci aux Haribos de nous accueillir et surtout à Frédéric et Maglone. Je me suis fait engueuler. Oui. La grande organisatrice qui a su rassembler les générations. Les vieux présents sont heureux d'être là malgré les absents. Longue vie à Campingous. Merci, mon petit Français. Cousine Germaine de la famille Novian, je venais régulièrement à Campingous. De Lombard de mon chalet. Non, de jeune fille de ma tante. Il faut bien que je dise tout. Et je venais régulièrement à Campingous, mais mon père disait. Une interdiction, jamais je ne veux apprendre que tu as sauté dans le gouffre. Parce que mes nièces, un jour, elles se tueront toutes. Ma sœur ne se rend compte de rien. Moi, les derniers souvenirs que j'ai de Camping House, c'était il y a une quinzaine d'années. Donc, Camping House encore était vraiment en travaux. Et j'ai eu peine à retrouver dans la grande salle où nous étions venus parce qu'il pleuvait ce jour-là. Et nous étions installés dans cette grande salle où c'était à tout vent, effectivement. Il y avait juste une dalle de béton. Et là, aujourd'hui, je découvre des chambres, un escalier magnifique et tout. Bon, c'est vrai que je ne reconnais pas tout ça. En fait, c'est quand même magnifique. Et je suis content pour tous. Hein, et voilà. J'espère que tout ça continuera, évidemment. Et que ce camping house, malgré quand même... un pont qui est assez moyenâgeux, certes, j'avoue que pour passer avec ma grosse voiture, j'ai eu un peu de mal, mais enfin, c'est pas bien grave tout ça, et je souhaite que Campingous se passe bien. J'ai connu Campingous en 1960, au moment d'une venue en vacances, parce que mon frère fréquentait déjà Odile, qui est devenue sa femme, et j'ai trouvé ça un coin épatant. Donc j'apprécie beaucoup Campingous, on peut se baigner, je suis venu pêcher dans la rivière. Je suis presque chez moi ici. Hein. Je suis arrivé ici en 1960.
quand je suis arrivé ici, il y avait des pommiers partout, comme on en voit au fond là-bas, c'est-à-dire de grands pommiers, et dessous, une couche d'herbe comme ça, oui. Et j'ai dit, ça c'est la Normandie, ça c'est la Normandie, et je me suis avancé dans le pré, Odile ne m'avait rien dit, j'ai vu des nymphettes qui se promenaient, des nymphettes, et parmi les nymphettes, j'ai reconnu Odile, et elle dansait comme ça, elle faisait des chants et tout. Et cette nymphette est devenue ma femme et les autres sont devenus mes belles-sœurs. Voilà, et il y avait, j'oublie de dire qu'au milieu, il y avait un paysan avec son costume de velours sombre, son chapeau sur la tête et qui fauchait toutes les têtes qu'il pouvait faucher. C'était son père. Voilà. Mais elles ont échappé au massacre. Et cette nymphette-là est devenue mon épouse. C'était passé, ça. En fait, il y a longtemps que c'est passé. Non, elle est restée pareille. Tu vois, elle est comme toi. Et si tu as la chance d'avoir la chance qu'elle a, plus tu monteras en âge et plus tu seras belle. Et tu te souviens, donc, il y avait la glycine avec tout ce qui allait. Ah oui, oui, très bien. Et quand il y a eu le partage, à un moment donné, donc Frédéric, Jean, Tate Geneviève et Maguelone ont décidé d'abattre, de couper cette glycine parce que ça devenait envahissant, il fallait renforcer tout le temps. Et je me souviens des discussions épiques avec toute la famille Novian, Marie-Angèle, Odile, Brigitte, cette glycine qui pour eux c'était la glycine de leur enfance qui avait toujours poussé et de l'avoir tombée, je pense qu'ils ont tous versé une larme, excepté Geneviève et sa famille qui bah, pour eux c'était devenu un problème. Quoi. Je me rappelle avoir passé des super moments à Camping Gouze et notamment les 65 ans d'Odile dans la cave. Qui n'était pas encore aménagée comme elle l'est maintenant, mais avec des chandelles. Il y avait des bougies partout, c'était magique. Et on a passé une soirée de rigolade absolument extraordinaire et inoubliable. Eh bien, avec les Arnals, nous avons un lien familial, je dirais. La première surprise partie, je l'ai faite chez eux et c'était absolument formidable. C'est la première fois qu'on avait une robe un petit peu habillée, qu'on nous avait mis des petits talons, voilà. Et c'était vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier. Ah bon, je les avais faire. Oui. Mais ici, oui, c'est évident. Ici, tu as rendu la maison formidable. Oui. Je suis sûr que tant que l'on reviendrait, elle serait ravie. Oui. Ah oui, c'est ce que me dit Brigitte. Ah oui, tant que l'on reviendrait, elle serait ravie. Hein. Là, elle aurait vu une fête comme ça, et une maison comme ça, elle aurait été ravie en chantant. Les souvenirs drôles, c'est le lave-vaisselle sur la terrasse. Hein. Il y avait les paniers du lave-vaisselle et nous programmions le lave-vaisselle en fonction du canal. Hein. Donc, mais nous avions l'impression d'avoir un vrai lave-vaisselle dehors. Hein. Et après, bon ben voilà, ça fait partie des souvenirs. Les souvenirs aussi, c'est venir avec notre oncle dans la voiture décapotable, découvrir la campagne. Ça dépend. Avec plusieurs arrêts, et notre tante qui avait le panier et qui ne s'énervait jamais. Mais Jean, nous allons arriver bientôt. Et nous trouvions cette balade interminable, mais pleine de surprises et pour découvrir la campagne qui est maintenant devenue un château pratiquement hein, par rapport à avant. Maintenant, Camping Gouze est devenu Standing House vu les transformations. Oui, ton père a pu acheter grâce à ce papier. Oui, la tasse de ma mère. Merci beaucoup. Moi j'ai une histoire, une petite histoire rigolote avec Madame Novian, on l'appelait Madame Novian, hein, Madame Novian mère. Un jour, on était à Camping Gouze et puis il y avait des pommes. Il y avait des pommes qui avaient été amenées là. Alors, je ne sais plus très bien si elles étaient tombées de l'arbre ou si elles étaient là. Enfin, il fallait les mettre dans un cajot. Et puis, tout le monde se met à mettre les pommes dans le cajot, les grands cajots, là. Alors, moi, je commence à en mettre. Et puis après, au fur et à mesure, évidemment, on s'éloignait du cajot. Les pommes étaient plus loin.
Alors j'ai commencé à les lancer. De loin, je lançais la pomme dans le cajot. Et au bout d'un petit moment, j'entends une petite voix qui dit « Personne n'a jamais appris à Daniel qu'il ne fallait jamais jeter les pommes. » Alors je me suis arrêté net et j'ai appris là qu'il ne fallait effectivement jamais jeter les pommes de la part de Madame Novian, que je remercie encore. Ma connaissance des lieux se résume à une journée par an depuis 1963, chaque année. Ça va être un souvenir d'enfance, il y en a plein. Il y a Marie-Angèle qui arrivait avec sa poubelle pourrie, sa voiture qui faisait un bruit de crécelle et on l'entendait à l'autre bout du Villaret. Il y avait... le mois d'août, on était tous ensemble et c'était, je ne sais pas, on devait être 15 ou 20 dans la maison et c'était hyper joyeux. Bon, c'est souvenir comme ça, mais je crois que j'ai un souvenir qui m'a hyper marqué. C'est ma tante Odile, quand elle préparait sa pâte à épiler à la marocaine, elle partait dans la cuisine et elle préparait son caramel avec du sucre, de l'eau, du citron, et on était là avec Fred, on la regardait, et elle versait la pâte de caramel dans l'évier, et avec ses mains, elle ramassait comme ça, jusqu'à en faire une pâte. Et avec cette pâte, elle la partageait en deux, et nous en avons donné une à Fred et à moi pour nous faire des sucettes, et avec l'autre pâte, elle s'épilait. Voilà, ça c'est un souvenir de Camping Goose qui était hyper émouvant pour moi. Ah mais t'es là, ben voilà, et puis c'est les amis, les cousins qui arrivent, voilà, c'est ça Camping Goose. L'épisode du jour, c'est l'histoire du Loupérac. Donc il faut imaginer une grande tablée comme aujourd'hui, sous la tonnelle, toute la famille est réunie, et on arrive au moment du fromage. Donc il y a Maglone à côté de moi, Fred en bout de table, et le plateau arrive sur la table, bien garni comme d'habitude, et là, à ce moment-là, il y a Mac qui dit « Mais il n'y a pas le Loupérac !» Donc on embraye, mais pourquoi il n'y a pas le Loupérac? Il y avait du Loupérac, comment ça se fait qu'il ne soit pas là? Et on finit de fil en aiguille par tirer les vers du nez à Geneviève qui avait mis le Loupérac de côté pour que Fred l'emmène à Marseille. Et donc là, évidemment, les cousins tous ensemble, en chœur, on commence. Le Loupérac. Et donc finalement, à contre-cœur, Geneviève nous sort le Loupérac. Évidemment, le Loupérac avec un tel teasing, là, tout le monde s'est jeté dessus. Je crois que j'ai jamais mangé un Loupérac aussi bon que celui-là. Au fur et à mesure qu'on voyait Frédéric se déconfire et que le Loupérac se diminuait de taille, nous, on se régalait à le manger, quoi. Et donc, du coup, le Loupérac a rendu l'âme ce soir-là à Camping Goose. Mais l'histoire n'est pas finie, puisque dans la semaine, Frédéric, en arrivant au boulot, reçoit un paquet. Et dans le paquet, il y avait deux Loupéracs que sa maman lui avait envoyés. Donc au final, elle en a perdu, elle en a gagné deux. Donc du coup, pour elle, c'était tout bénéfice. Quand Fred et Maglone étaient petites, on avait des grosses bouées gonflables qu'on descendait à la rivière et qu'il fallait remonter. Et un jour, Maglone est remontée et Fred était resté encore à la rivière. Et donc on passe à table et Maglone, de la terrasse, crie à Frédéric « Frédéric, il faut remonter la bouée !» Et là, on a un temps de silence et puis on entend « Maglone, j'ai pas entendu !» Maglone, je te dis que j'ai pas entendu, je remonte. Voilà, et donc on a rigolé parce qu'on avait bien compris que Fred n'avait pas du tout envie de remonter la bouée. C'est des conneries qu'on m'a racontées. C'est des conneries, quand c'est ma tante qui me gardait à l'époque, j'étais tout petit. Je me rappelle la sieste, une sieste avec mon frère, où je me suis levé parce que j'étais pas très sage à la sieste. Et je suis allé chercher le mercurochrome. J'ai badigeonné mon frère de mercurochrome, mais alors complet. Et après, je me suis endormi parce que j'étais content de ce que j'avais fait. Genre d'artiste dans la nature, prénaturel. Et en fait, quand ma tante est arrivée, elle a cru que j'avais trucidé mon frère. Et elle a été horrifiée. Et voilà, et j'étais bien content de moi. Je crois que j'ai pris une grosse branlée d'ailleurs. C'est là aussi où j'ai pris ma première cuite. À deux ans. À deux ans, parce qu'ils étaient remontés, pour aller ramener les convives. Et moi, j'ai fini les verres d'apéro. Et j'ai pris ma première cuite à deux ans. Faut le faire quand même. Hein. Et la dernière, c'était pas, il n'y a pas longtemps. avec Laurent, on a passé des étés merveilleux, quoi. Une des anecdotes qui m'a marqué avec les enfants, c'est le soir, lorsqu'on faisait la vaisselle dans le canal qui est situé un peu plus haut, parce qu'il n'y avait pas l'eau courante à l'époque, on faisait la vaisselle dans le canal, et souvent,
et souvent la vaisselle se terminait par la douche du soir avec le shampoing, la bassine que l'on déversait sur soi. C'était un vrai bonheur. Voilà, c'était un vrai bonheur. C'était très agréable. Campingos. Toutes les bêtises qu'il a pu faire. Mais je vais pleurer, putain. Les bêtises qu'il a pu faire. Ils sont partis un peu. Je t'appelle pour dire qu'ils l'ont mis sur les grilles. Ah, c'est sympa ça. C'est sur un. C'est du rose. Il y a toujours la queue là-bas. Tu couperas. Je me souviens des soirées au Marie-Angèle. Marie-Angèle ronflait comme une folle. Je l'aurais défenestré, putain. Tellement elle ronflait. On dormait tous en haut dans la même, dans le même endroit. Et j'ai appris tout à l'heure qu'on finissait les verres de 10 jours. On avait 10 ans, déjà alcoolique, si jeune. Voilà, pour moi, Campingo, c'est tout ça, quoi. C'est parce que c'est mes souvenirs d'enfance. Et puis j'ai aussi des mauvais souvenirs d'ici. Bon, faut que je le dise, hein. Tu le couperas au pantage, mais... Bon, j'étais un seul gamin, moi, quand j'étais gamin. J'étais un peu le chef de groupe, bagarreur, chiant. Peut-être attachant, mais je sais pas. Chiant, c'est sûr. Et donc, en fait... Un jour, je suis parti dans la montagne. C'était Marie-Angèle qui me gardait à l'époque, parce que mes parents travaillaient au Mont d'Or, et que je venais ici l'été, et j'étais content de venir. Et bon, je sais pas ce qui s'est passé un jour, avec mon caractère de cochon. Je suis parti dans les montagnes, ils m'ont cherché partout, et pour moi, ce jour-là, c'était la fin de Campingos. Après, j'étais tout seul au Mont d'Or. Pendant qu'ils s'amusaient tous ici. Donc ça me fait plaisir. J'aime vraiment. Voilà, c'est un super coin. Un lieu de rendez-vous. Et j'espère pouvoir revenir très longtemps. Et je suis très content quand je vois mes enfants, quand je leur dis on va à Campingos. C'est ouais. Génial. On va aller nager, on va aller plonger, on va aller pêcher. Ici, on s'est régalé. Il y avait le tonton Joseph, il avait son gros fusil. Il partait. Hein. Oh là là, il m'impressionnait avec son gros fusil. Qu'est-ce que tu vas faire, Joseph? Je vais pêcher les truites. À l'époque, il y avait des truites comme ça, énorme. Il nous ramenait des truites. Bon, elles étaient percées avec la flèche, hein. C'était interdit, hein. Totalement interdit. Mais bon, qu'est-ce qu'on adorait ça. Et on faisait des pêches au goujon. On s'est régalé. Campingos, c'est tellement de souvenirs. Tout à l'heure, je suis resté dans la rivière pendant 20 minutes en bas et ça n'a pas changé. C'est toujours comme avant. Cette montagne en haut, rien n'a bougé. Ces odeurs, c'est... Il manque juste les poissons, voilà. Et puis, tous les ans, ça bouge, par contre. C'est-à-dire que la berge, c'est plus la même d'une année sur l'autre. Parce qu'il y a les crues l'hiver, et ces crues sont dramatiques. Et je disais à Geneviève tout à l'heure, quand il pleut très fort et que j'entends des crues dans l'Hérault, je pense toujours à Campingos. Et c'est vrai que l'eau l'hiver monte jusqu'à la maison. Et donc je m'inquiète toujours pour la maison de Campingos. C'est pas la mienne, mais c'est comme si c'était la mienne. Voilà, Campingos pour moi c'est tout ça. Ces odeurs, cette ambiance, c'est unique. Voilà, un endroit unique, exceptionnel. En ce qui me concerne, les souvenirs de Campingos, celui qui me revient le plus, c'est la vaisselle. La vaisselle, les séances vaisselle dans le petit canal qu'on appelle le Béal là-bas. Alors bien évidemment, avant l'eau courante, quand on allait, à l'époque, on allait chercher l'eau à boire à la source ici, et on allait faire la vaisselle après au Béal, c'était dans les années 70, je crois. Donc avec tous les cousins Auriacombe, Novian, Haribo,
On allait faire la vaisselle au Béal. C'était plus des séances de baignade que de vaisselle, parce que je ne garantis pas la propreté absolue de la vaisselle, qui était une vaisselle dite biologique, n'est-ce pas? Enfin, il y avait peut-être un peu de liquide vaisselle, mais sans garantie. Sans garantie. Donc on partait avec des grandes bassines en plastique, je ne sais pas si elles existent toujours, multicolores, des très très grandes. On mettait toute la vaisselle du dîner, du barbecue dedans, et on lavait ça dans les... Alors c'était des grandes séances d'éclaboussures. Il y avait Jean-Nicolas, qui n'est pas là, qui mettait la tête sous l'eau, qui m'a mis la tête sous l'eau, ou à plein de gens. Enfin, c'était une vaste partie de rigolade. J'ai passé beaucoup de week-ends à Campingous, notamment avec les trois garçons des petits Barthes. Et alors on faisait des... Oh non, non. Oh là 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 là. Alors on faisait des... On mettait la cheminée, on faisait des grillades, on faisait des barbecues, on faisait des trucs avec des... On a fait du camping. Après, on traversait la rivière en plein hiver. On allait au rallye des Cévennes. On s'amusait à se mettre... Son fils, un jour, il s'était déguisé. Il avait enfilé tout un habit de plongée et il avait pris là pour pêcher, et il tenait une de mes amies comme s'il avait attrapé un poisson, c'était Sabine. Enfin voilà, on a fait plein de trucs à Campingous et c'était vraiment super. Longue vie à Campingous. J'ai plusieurs souvenirs, il n'y en a pas un meilleur, il y en a plein de petits et merveilleux. C'est aussi des odeurs. La première, ce serait la crème épilatoire que se fabriquait ma tata Odilette à base donc de sucre qui devient du miel et qu'elle tournoyait dans ses doigts comme une marocaine qu'elle faisait dans la cuisine là-bas. Et si on avait un peu de chance et si on avait été sage, elle nous mettait un petit bout de caramel dans la cuillère et ça nous faisait une délicieuse sucette que j'adorais. J'ai encore le goût, c'est ma Madeleine de Proust. Après, j'ai un autre souvenir avec une autre de mes tatas qui est Marie-Angèle, qui nous faisait, quand on avait été très sages, des séances de diffusion via sa caméra Super 8 des trois petits cochons. Et qu'est-ce qu'on pleurait à ces trois petits cochons, et c'était toujours magique. Et voilà, et puis encore un autre petit souvenir fameux, mais qui est quand même toute l'histoire de Campingous, c'est que pendant évidemment des siècles et des années, nous avons fait la vaisselle et nous nous sommes lavés. Alors la vaisselle dans le canal, donc il y avait des tournées de canal pour savoir qui allait y aller, et c'était vraiment la corvée. Mais en même temps, on se trempait, on se mouillait, c'était que du plaisir. Et puis... et voilà. Donc c'est... Et puis évidemment, comme on n'avait pas l'eau courante quand on faisait pipi, eh ben, il fallait pomper l'eau à la pompe, et c'était toujours très 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 fastidieux, enfin, pour nous qui étions petites. Et du coup, je me souviens que mon cousin Laurent était toujours d'une extrême galanterie, comme il est toujours, et il pompait la pompe pour recharger la chasse des toilettes, enfin des pseudo-toilettes, hein, parce que bon, ça allait un peu n'importe où. Et voilà, donc ça, c'est plein de souvenirs qui font Campingous, il y en a des milliers. Et puis le dernier plus récent, c'est évidemment la première récolte de miel à Campingous, qui a été quand même une sacrée émotion, parce que les abeilles Cévenoles ont été sacrément généreuses, et elles nous ont offert un petit or miellé délicieux. Et que tout le monde va en avoir d'ailleurs un échantillon aujourd'hui. Donc voilà tous ces super souvenirs, et j'espère que les générations continueront à créer du souvenir à Campingous, parce que c'est ça la vie. Merci. C'est juste que Campingous, c'est les copains. C'est les copains. C'est les week-ends copains, et c'est la cuisine. Hein. C'est la cuisine, et c'est les X repas. Les X repas qu'on faisait avec les menus, les listings des menus. Les courses avant. Les 10 tartes pour l'apéro. Voilà. En gros, c'est la bouffe, quoi. Nous revoilà à Campingous. Je pense que j'en suis à la 10e, voire 15e fois. C'est toujours un immense plaisir de venir. Exactement, et puis surtout pour les 80 ans de Campingous. Donc merci beaucoup pour ce super déj. De cette invitation. On reviendra toujours, même quand on aura 80 ans pour le coup. Et au niveau des anecdotes, en fait, il y en a trop. Franchement, comme ça, à brûle pour point, je n'en ai aucune idée. Si, t'as fait un saut à la rivière. Oui, j'ai fait un saut à la rivière et j'ai mis 30 minutes pour sauter. C'était ça l'anecdote. Et je suis pas prête de recommencer, je crois. Voilà, et ben moi, elle est à venir, l'anecdote. Mais il paraît que j'aurai peut-être une des prochaines fois la chambre nuptiale. Alors j'attends mon tour.
Allez, on vous embrasse, la famille. C'était quand on était petite, avec tous les cousins et les cousines, où on arrivait l'été, donc ici, dans cette grande maison, sans électricité, sans eau chaude le soir. Et donc, pour se rincer de la rivière, où on passait notre journée à sauter dans les gouffres et à explorer les coins de cette rivière, on faisait chauffer des bassines, des grandes bassines d'eau froide, donc du petit canal qui passe juste à côté, et on faisait chauffer des grandes bassines. Donc on mesurait 1m20 à peu près. Donc la bassine, forcément, ça nous faisait une bonne baignoire à la fin de la journée. Et donc effectivement, on arrivait en fin de journée, après ces grandes journées de baignade intense dans les rivières entre cousins, dans nos bassines d'eau chaude, voire bouillante, parce que le soleil tape ici et ça cogne, on se ramassait des coups de soleil aussi à plus en pouvoir. Mais donc on arrivait à prendre des bains d'eau naturelle, chauffée naturellement, 100% écolo. D'ailleurs, si on pouvait revenir à cette période-là, je pense qu'on serait beaucoup plus dans l'air du temps qu'aujourd'hui avec la climatisation et le chauffage. Mais ça, c'est des grands souvenirs de Campingus à la dure, quoi. Enfin, à la biologique, à l'écolo. C'est-à-dire que on se baignait dans des bassines d'eau froide qui devenaient chaudes en fin de journée. C'était magique quand même. C'était vraiment chouette. Et dernier souvenir, donc comme on n'avait pas de savon non plus, on prenait je ne sais plus comment elle s'appelle cette plante, c'est une plante assez blanche, qu'on frottait sur nous et qui se mettait à mousser sur nous. Donc il y en a partout dans la garrigue, hein, quand on descendait la rivière, on les ramenait, on se baignait avec ça et nos plantes qu'on faisait mousser sur nous. Et on disait, là on est propre, là on est bien, on est prête pour aller se coucher, on était fraîches. Je vais parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et pour toi. Non, je me rappelle, moi, de Campingus, donc sans eau, sans électricité. Quand j'étais PEC, je me baignais avec mes frères et sœurs dans le bac en pierre qui a à l'entrée de la terrasse et la grande bassine. On allait faire la vaisselle, on allait se laver dans le canal. On ramassait les petites fleurs savon qu'on appelait pour se laver. Voilà, c'était que du bonheur. On venait à Campingus sans eau, sans rien. C'était génial. La rivière, voilà. C'était mes petites anecdotes à moi. Et aujourd'hui, les soirées à Fred, les fêtes, les 40 ans à Fred, les 80 ans de Campingus, l'anniversaire de Geneviève qu'on a fait ici avec ce camping house remasterisé et merveilleux. Campingus, c'est surtout le cake au Nutella. Donc quand on remonte de la rivière, c'est Geneviève qui prépare un cake, du pain et du Nutella. Donc voilà, cake au Nutella pour le goûter. Exactement, je rajouterais même que Campingus, c'est aussi de l'ambiance, de la festivité. Et l'alcool, hein, toujours. Non, Juliette, parle pas comme ça. Non, c'est beaucoup de vinasse. La bonne ambiance. De la très bonne ambiance, franchement de la très bonne ambiance. Et puis on s'éclate bien. Allez, Juliette. T'entendre. Dali, respire.